Bah écoute Marco, tu me ferais bien une visite du jardin. Allez, je te fais une petite visite. Voilà. Après, alors, tu vas me suivre. Tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés en plus. Alors, voilà, regarde. Ici, un bananier, le Nagensé. Hein, très très beau. Très belle feuille, pétiole rougé. Alors si tu peux parler un tout petit peu plus fort. Une prune blanche. Bah je vois ça, sous oui. Sous les feuilles, sur le stipe. Et ça serait un fruitier, ceux-là ? Il serait fruitier, mais il faut attendre quand même. Selon la maison du bananier ? Voilà. Ok, voilà. Bon, écoute. Très beau look. Hein. En tous les cas, oui. Très beau look. Il a un très beau look qui s'intègre très bien dans ton jardin. Il est prometteur. Alors. Sinon, bah voilà. Qu'est-ce que tu as encore pour nous ? Un petit bégonia, très sympathique. Bah écoute. Bégonia Sutherland. Bah oui. Résistant au froid, donc là je l'ai mis en pot, mais... Oh mais il est beau celui-là, dis donc, ouais. Il y aura quelques plants en pleine terre, bientôt. Bah écoute, hein, je suis preneur. Voilà. Allez, on continue ? On continue. Je suis le guide. Ouais. Ce que tu m'as dit, Paul, j'ai des surprises pour toi, donc... Voilà, une petite corbine brésilienne, là, mais hybride. Hybride avec je ne sais pas quoi, mais... Voilà, donc il y a un port de Dracaena. Hein. Est-ce que c'est l'espèce type qui ressort, on va dire ? Peut-être un petit peu, oui. Ouais, peut-être ça, ouais. Tu reviens aux origines. Alors les fougères, bien sûr. Hein. Une très belle fougère. Pyrosia linga, padachée. Ah ouais. Rodées du Japon. Les rodées sont très très belles. Marginé de blanc. Voilà. Encore une autre. Une autre. Qui est un peu plus jeune, mais très très belle. Très belle. Voilà. Allez. Et on a des jolis fruits sur... Le fuchsia, oui. Alors ils sont comestibles, hein. Plein de fruits, donc je vais pas tarder à les ramasser pour faire des... Donc je peux en manger et je vais pas tomber raide, là, hein. Bon. C'est un délice. Le petit bassin qui donne la petite fraîcheur au jardin. La petite visiteuse d'abord, la petite grenouille. Oh mignon! Attends, j'essaie de grossir dessus. Eh oui, ben non, elle n'est pas très sauvage. Elle est habituée. Elle est habituée. C'est sa place. Elle fait son plongeon après. Alors. Alors regarde le plantain majeur. Hein. Un grand plantain. D'accord. Ah oui, bah disons, je connais. Floraison. Ah ouais. Pas mal du tout ça. Ouais. Alors ensuite. Ensuite, regarde la belle acnéa. Gamocephala panaché. Très bien. Mandarinier, ça te fait mal. Et regarde le Schaefflera, comment il a poussé. Alors, c'est le Schaefflera grandiflora. Macrophylla. Macrophylla, pardon, ouais. Ah oui. C'est très beau, hein. Ouf. Il est en bonne santé. Ah non, c'est devenu... Il y a eu toute l'eau qu'il y a eu, là. Une bête, comme on dit. Voilà. On va suivre le guide. Hein. Donc là, c'est filmé un petit peu. Là, il n'y aura pas de... On va dire à l'arrache. Peut-être pas comme ça, mais disons... un petit peu comme ça à l'improviste. Là, on débarque dans la jungle. Je me faufile. Moi, ça me fait toujours marrer. Pivoine lutea. Pivoine lutea. Ouais, super. Pas fleurie encore, mais de très recouper. Belle. Genre arborescente, bien sûr. Dixiona antarctica. Ouais. Ah, ça se plaît chez toi, ça. Ouais. Alors, le fameux sabal. Sabal, très très bien, regarde. La belle alors, feuille. Attention, sabal palmetto. Ouais, très belle feuille. Ah, ouais, alors il fait pas beaucoup de feuilles par an, mais quand il fait des feuilles, lui. On en fait une belle. Hein. C'est conséquent. Dans la jungle. Hop. Voilà. Alors ici, regarde. Ah. Tu veux me montrer quoi? Regarde. Ok.
Qu'est-ce que c'est que cette petite merveille? Regarde ça. Pas beau ça? Regarde le dessous des feuilles. Ouh. Alors tu l'appelles comment celle-là? Eh bien, c'est une impatience apollophila. Impatience apollophila. Très belle impatience, la fleur est très très belle aussi. Alors, tu m'étonnes, déjà la plante en elle-même. Avec du jaune et du rouge, la fleur. Incroyable. Dis donc, tu m'avais gardé tout ça en petit secret. Hein voilà. Regarde les impatiences aussi. Très très grande, glandulosa. Ah oui, alors ça c'est de la patience. Ouais. Ouh. Génial. Laurier rose, donc Nerium, il est en fleur. Ouais. Même un peu ombré, ça n'empêche pas de fleurir. Oui. Le fuchsia en arrière-plan là-bas, ouais. Bah lui c'est son cette année, hein, c'est son temps comme on dit. Hein. Oh. Alors on va avancer un petit peu. Tiens, je te laisse passer devant, Marc. Oui, voilà, regarde le Dicum Assam. Edicum Assam. Voyons voir ça. Là, il est en fin de floraison. Et nouvelle épi de fleurs. Ah ouais. Ah puis cette année, je crois que c'est une belle année à Edicum aussi. Hein. Ouais. Franchement. Alors les Esselaginelles ont très très bien poussé avec toutes nous là. Regarde en bas là. Ah c'est une petite fougère, c'est ça? Esselaginelle. Voilà. Je m'approche, hein. C'est un beau tapis. Oh oui, dis donc. Et puis une belle fougère qu'on croirait tropicale, mais qui est bien de chez nous. Ouais. Alors tu l'appelles comment déjà celle-là? C'est la Ginelle, mais je ne sais plus. Ça va y être. Cette fougère ici, là. Bon, la splenium. La splenium, voilà, je cherchais. Ouais. Et puis regarde ici. On en trouve dans des vallées chez nous, là. Pouh! Regarde, le curcuma. Des belles feuilles de curcuma. Là-bas. Ça, c'est un curcuma derrière, en arrière-plan là-bas. Oui. Curcuma. Ah, dis donc, on aurait dit un musa ou un canard même. Hein. Ah oui, tiens, j'ai vu que tu avais la fougère avec les spores. C'est toujours intéressant de voir ça. Ouais. Ça se détache, c'est magnifique. Hein. Ouais. Encore là. Et dire que c'est de chez nous et on a vraiment l'impression que. Ouais. C'est complètement tropical, hein, ou subtropical. Tout à fait. Alors. Une plante aussi, très belle, Bischoffia javanica. Bischoffia javanica, une plante tropicale. Ah oui, tu m'as donné un pot. Ouais. Que j'ai hâte de mettre en pleine terre. Alors ça, ouais. Ça c'est une trouvaille parce que je ne connaissais pas. Ah, ouais. Et après renseignement, je me suis rendu compte que ça tenait jusqu'à moins 10. Ah, ouais. Donc c'est une belle trouvaille. Merci Marco. Mmh. Alors lui, là, qui est tout tordu, là. Oui. Trachycarpus aureophilus, c'est ça? Oui, regarde. Ah ouais, alors, il y a un style. Hein. Là, il y a quelque chose. Ouais. Il y a une courbure. Là. Il cherche sa place au soleil. Ouais. Et donc, il se courbe. Il se courbe de plus en plus. Ça, c'est beau. Il hein, faut et profiter. Hein. Regarde aussi les belles feuilles de la Ralia fascia. Polycarpa. Fascia polycarpa. Ouais. Est-ce que c'est le doigt vert celui-là là? Nidorme, pas le finger. Hein. D'accord. Qui est plus découpé. Là, je te remontre une feuille parce que tu verras mieux la découpe de la feuille. Houhouhou. C'est pas beau ça? Ah, c'est très beau. Ouais. Wow. Et aussi juste à côté. Ouais. Donc, Bégonia luxuriant. Oh, il est vraiment luxuriant. Bégonia luxuriant. Ah oui, il est luxuriant, ouais. C'est un... Alors, on va passer un petit peu. Tu veux me montrer quelque chose par là-bas? Très bien. Je te suis. Une belle impatience aussi. Un impatience. Alors, comment tu l'appelles celui-là? Ça doit être Bicodata. Bicodata. Oui. Bon, bah. Merci. Luxuriant à souhait. Ah, tu veux me montrer la fleur en particulier? Ah, c'est vrai qu'elle est stylée. On dirait une orchidée, donc. Oui. Presque. Presque. Regarde la hauteur de la patience glandulosa. Une autre impatience. Superbe. 2 mètres de haut, au moins. Hein. Oui, pas loin. Possible, hein. Ouais. Ah, moi, je suis un peu pressé de voir. Ton Trachycarpus ucrulensis.
Parce que c'était une beauté au printemps. On y arrive. Alors, Tillandsia usnoides, là. Oui. Alors, déjà, je vais faire demi-tour. Je vais te montrer une plante au pied qui est en fleur, là. Ouais. Justicia carnea. Regarde bien les fleurs. Ah oui. Oh, d'accord. Vraiment, effet tropical. Ah oui, bah, effet tropical assuré, là, 100%. En plus, au pied du fameux Trachycarpus ou Krulensis, qui se détache là, les folioles très fines, qui montent en puissance. Ah ouais, ouais, non mais là, une courbure de cocotier de toute beauté. Et lui, et alors, le princeps, le fameux princeps, alors, en plus viens femelle, voir sa fructification. Voilà, alors, qui nous gratifie de fruits. Et là, c'est plutôt une rareté, certainement hybridée avec Krulensis en plus. Oui, parce que j'ai tout fait. Donc là, ça nous promet des jolies plantules. Hein. Exactement. Je regarde un petit peu le stipe. Ah oui, il est particulier hein, le stipe. Hein. Oui. Très particulier. Pas très bien, encore d'autres impressions. Oui. Et lui à côté, tu vas nous en parler. Oui, le Buciagrus. Le Buciagrus. Bon, un carré. Ah, bah, je sais pas ce que tu lui as fait, mais il a... Il est très très fin. Hein. En l'espace d'un an ou deux... Bon, j'ai eu un petit problème de cochenille. Ah, ça, des cochenilles, bah ça, ça oui. Paraît, la saison a été très humide et... Ça ralentit un petit peu une belle feuille, là, mais ça y est, c'est reparti. Et donc... Superbe. Voilà, prometteur. Alors... Tiens, nous avons du tarot là. Oui. Et il y en a un que je veux rendre visite. C'est ton Yucca elephantipes du Paraguay. Bah, attends, j'arrive même pas à voir. Alors rien que de voir quand on voit le tronc là, ou le stipe, la tige. Et si je monte. Oh, il est devenu énorme et géant. Superbe. Ah, le pseudopanax aussi, pas mal, hein. Pas mal. Il a sacrément poussé, hein. Il va bientôt fleurir. Bientôt fleurir, génial. Voilà. Comme ça, tu auras de la graine. Voilà. Alors, quelle petite merveille. Sympa, cette fleur de fuchsia. Hein. Très beau fuchsia. Alors. Alors, Simon. Hop, on va filer par là. Voilà. On peut y passer des heures hein, dans le jardin, hein, parce que là on y passe quelques minutes, mais on si balaye, on voit tout en détail... On balaye. Un petit peu de floraison. Ah oui, Caesalpinia, Giliésie, Érythrine bidouillée. Ah, j'espère que ça va aller, parce que je suis un peu en contre-jour. Et dans le fond... Superbe. Dans le fond, ah oui, alors c'est à l'ombre que ça va être le plus joli. Mandevilla laxa. Alors, l'érythrine, je trouve qu'elle est pourpre, elle est belle, elle est magnifique là. Wow. Et regarde dans le fond la Mandevilla laxa. Mandevilla, tu dis, t'appelles ça? Laxa. Avec un son parfum. Eh ben écoute, hein. Mélianthus majeur en dessous. Et le petit tour dans la serre pour terminer. Oui. Comme ça, on aura fait un petit tour du jardin en ta compagnie. Vas-y Marco, tu es chez toi, rentre. Et ben voilà. Et ben on va terminer là-dessus. Je trouve que c'est génial. Je rêve de plantes et je plante mes rêves. C'est exactement ça. Merci Marc. Et je te dis à une prochaine. À bientôt. À bientôt.